moi, les fringues, c'est une façon de me cacher. Mais pendant un date, on doit justement se dévoiler. L'autre doit comprendre qui on est. Comment je peux aller à ce rendez-vous alors que dans toutes mes fringues, j'ai l'air d'un petit garçon déprimé? Quand j'arrive encore à rentrer dedans. Je sais que c'est censé être bien. Ça prouve que je vais mieux. Mais j'ai quand même honte. Et j'ai honte d'avoir honte. Les gens pensent que quand on est anorexique, on veut à tout prix être belle. Qu'on veut à tout prix être mince. Et qu'on croit que l'un ne va pas sans l'autre. Mais être mince, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je me sens anormale. Comme s'il me manquait quelque chose. Quelque chose de bien plus profond que des mains délicates, de l'élégance ou des oestrogènes. Tu es insuffisante, Mia. Insuffisamment féminine. Tu devais être malade le jour où on était censé t'apprendre à devenir une femme. Une vraie femme. Bonjour. Je peux vous aider, mademoiselle? Ça va aller, je crois, merci. Vous êtes sûre? On en a d'autres en réserve. Vous faites quelle taille? Quoi? Votre taille. Quelle taille faites-vous?